livre à toi. Fais de moi ce que tu veux. Transforme ma vie afin qu'elle te soit utile. Accorde-moi ton... Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Au-dessus de tout, Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, au-dessus de Dieu de l'univers, je t'invoque ce soir. Yahweh, merci. Yahweh, merci de venir Yahweh, et de remplir ce lieu de ta présence. Tu es le plus grand. Merci de remplir nos cœurs au-dessus de ta présence, de Seigneur. Tout, tu es, merci tu de saturer notre environnement, la pièce dans laquelle nous sommes, le lieu dans lequel nous nous trouvons, de ta sainte et divine présence. Oui, Yahweh, Père éternel, nous voulons te faire toute la place, ô Dieu vivant. Tu es le plus grand, le plus grand. Manifeste-toi, Seigneur. Prends le contrôle de tout. Yahweh, Dieu puissant, Dieu fort, Dieu redoutable, Dieu merveilleux. Notre Dieu, nous t'invitons dans ce lieu. Nous t'invitons à prendre le contrôle de cette rencontre, ô Père éternel. Tu es le plus fort. Merci, Papa. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Oui, tu es le plus grand. Tu es au-dessus de tout. Alléluia. Au-dessus, oui, Père, nous nous prosternons devant ta présence. Tu es nous nous prosternons devant ta grandeur. Nous nous prosternons devant ta majesté. Tu es, béni sois-tu, Papa. Merci, notre Dieu. Seigneur, sois honoré. Prends le contrôle de toutes choses. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au-dessus de tout. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Bonsoir les amants et bienvenue à ton rendez-vous de les amants en prière. Nous nous retrouvons ce soir encore une fois pour passer un temps dans la présence de Dieu. Et ce temps, nous voulons le passer à l'écoute de sa parole et aussi dans la prière. Alléluia, bienvenue. Et s'il y a une sœur à côté de toi, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Si tu es en ligne, n'hésite pas à chatter en disant bienvenue à toutes tes sœurs qui, comme toi, sont connectées ce soir. Connectées en ligne, mais surtout connectées au Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Et pour marquer notre présence et notre adhésion, nous allons encore une fois acclamer le Seigneur. Notre façon à nous de lui dire merci, de lui être reconnaissant pour cette journée qu'il a bénie, pour le souffle de vie qu'il nous a donné tout au long de cette semaine. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Nous nous retrouvons donc sous notre thème, le thème que nous avons commencé depuis la semaine dernière. Seigneur, comment donner ou redonner du sens à ma vie. Alléluia.
Et la semaine dernière, nous avons été vraiment bénis par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous a parlé et nous a expliqué que sous le soleil, tout est vanité. Salomon l'a vécu et il a exprimé. Et nous aussi, nous vivons constamment cette réalité. Nous l'exprimons et notre question, c'est Seigneur, comment puis-je redonner du sens à ma vie? Alléluia. Et nous l'avons dit, le Saint-Esprit nous l'a dit, si tout est vanité sous le soleil, il y a une espérance, il y a un espoir pour toutes les personnes qui ne sont pas soumises aux conditions sous le soleil, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont des personnes célestes, qui sont des fils et des filles du royaume de Dieu. Alléluia. Parce que tu es une fille du royaume de Dieu, il y a une solution, il y a un espoir, il y a un sens à ta vie. Alléluia. Alors acclame le Seigneur parce que tu es déjà dans la joie. Amen. Ce soir, nous allons partager encore des paroles, des secrets que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Et pendant tout le mois de mai qui reste, je vais évoquer 10 principes par lesquels nous pouvons donner du sens à notre vie. Alléluia. Il y a 10 principes que nous retrouvons dans la parole de Dieu qui, lorsque nous les appliquons, nous permettent de trouver en réalité le sens de nos vies ou alors de redonner du sens à nos vies. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons commencer par 3 de ces principes. Amen. Et à travers ces principes-là, je suis convaincue que déjà, en les appliquant, tu vas commencer à retrouver le sens de ta vie. Je ne partage pas des principes comme ça en l'air, mais je peux t'assurer que je les ai expérimentés et j'ai vu ma vie retrouver du goût, retrouver du sens. Alléluia. Amen. Et à travers ces principes, j'ai repris le contrôle de ma vie et nous allons donc dire ensemble que nous sommes nés pour régner. Tu es né pour régner, ma sœur. Tu es né pour dominer tout ce qui se trouve sous le soleil. Tu es né pour prendre le contrôle de ta vie. Alléluia. C'est la bonne nouvelle que je suis venue t'annoncer ce soir. Tu ne t'assiras plus sur un tabouret. Tu ne t'assiras plus au bord de ton lit, les larmes dans les yeux, pour te poser la question de savoir quel est le sens de ta vie. Parce que ton Dieu s'apprête à faire une chose nouvelle dans ta vie. Ton Dieu s'apprête à te donner des réponses. Et à travers ces réponses, tu vas voir que ta vie sera transformée et tu vas pouvoir reprendre le contrôle. Alléluia. Alors avec Pasteur Kwame Mireille, nous allons chanter ce cantique. Je suis né pour régner et parce que le Dieu de miracles est mon Père, je surmonte tous les obstacles et je surmonte même cette question existentielle qui est comment donner du sens à ma vie. Alléluia. Je veux chanter ton nom, yeah. Je veux louer ton nom. Alléluia. Acclame le Seigneur avec moi. Tu vas te tenir debout. Je veux louer ton nom. Nous allons ensemble chanter ce cantique. Il ne m'a jamais laissé tomber. Le Dieu Tout-Puissant est de mon côté. Alléluia. Même quand l'ennemi se lève contre moi, je suis caché en lui, je garde la foi. Je suis caché en mon Dieu. Il veille sur moi. Il est là et il veille sur moi. Il veille sur toi, ma sœur. Il est présent. Il marche devant moi. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je loue son nom. Je loue son nom. Je loue son nom. Je loue son nom. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Non, jamais ton Dieu ne te laissera tomber. Est de mon côté. Parce qu'il est de ton côté. Et quand l'ennemi se lève contre moi, je suis caché en lui, je garde la foi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Le Dieu Tout-Puissant est de mon côté. Même quand l'ennemi se lève contre moi,
Je suis caché en lui, je garde la foi. Il est là, il est là-haut, il veille sur moi. Il est là-haut, me couvre sa gloire. Il est présent, il marche devant moi. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je loue son nom. Je loue son nom. Je loue son nom. Je loue son nom. Yeah. Je loue son nom. Je loue son nom. Je veux louer. Je loue son nom. Je loue son nom. Alléluia. Nous voulons louer le Dieu d'Israël. Nous voulons louer Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur, celui par qui nous sommes, celui en qui nous sommes et celui en qui notre vie prend tout son sens. Alléluia. Amen. Nous allons donc ouvrir nos Bibles. Et comme la semaine dernière, nous allons repartir dans le livre des Ecclésiastes. La semaine dernière, nous avons lu toute la complainte de Salomon et nous ne voulons pas rester sur une note négative parce que, au final, Salomon a trouvé la réponse. Comme toi aussi, le Seigneur s'apprête à se révéler à toi. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ecclésiastes, le chapitre 9, à partir du verset 7. Alléluia. Il est dit: va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Quand tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes ou l'homme que tu aimes. Alléluia. Pendant tous les jours de ta vie, je vais m'arrêter là. Alléluia. Il continue, je vais au verset 9, je vais au verset 10, pardon. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Alléluia. Amen. Quel beau passage, n'est-ce pas? C'est vrai que les textes de Ecclésiastes sont toujours à deux vitesses. Il y a comme une certaine contradiction dans les choses qui sont dites. Salomon annonce des belles choses et puis vers la fin, c'est comme s'il veut nous décourager, n'est-ce pas? Mais si tu lis bien, tu comprendras qu'à travers ces paroles-là, nous retrouvons la sagesse, nous retrouvons les éléments pour redonner du sens à nos vies. Alléluia. Salomon nous explique à travers tous ces préceptes qu'il a évoqués que la vie n'est pas grand-chose, mais en même temps, rien ne vaut la vie. Alléluia. Dis à ta voisine ou à une sœur en ligne, rien ne vaut la vie. Répète avec moi, avec conviction, rien ne vaut la vie. Alléluia. Ma sœur, la vie est précieuse. La vie est précieuse. On ne comprend pas des fois quel est le sens de notre vie, où nous allons, qu'est-ce que nous devons faire de cette vie que le Seigneur nous a donnée. Mais s'il y a une chose sur laquelle nous ne devons pas nous tromper, c'est bien le fait que la vie est précieuse. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la nécessité de donner du sens à sa vie, on va tout de suite avoir tendance à penser à des choses à faire. Alléluia. Si je demande comment est-ce que tu penses que tu peux donner un sens à ta vie, chacune de nous me répondra: pour donner un sens à ma vie, je dois faire ceci, je dois faire cela, alléluia, je dois. Amen. Et pour nous, bien souvent, donner du sens à sa vie va se résumer à de l'action, des actes à poser, des choses à bâtir, etc. Alléluia. Je pensais la même chose que toi. Je pensais la même chose que toi. Et alors que j'étais dans la prière, en train de demander au Seigneur,
Seigneur, comment puis-je redonner du sens à ma vie? Le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, ma fille, tu vois, tu abordes mal la question. Tu abordes mal la question parce que, en réalité, avant même que je ne commence à te répondre, tu as déjà des idées préconçues. Tu as déjà une pensée arrêtée parce que tu te dis tout de suite que je vais te répondre en te disant, ma fille, fais ceci ou cela. Mais en réalité, il ne s'agit pas de cela. Donner du sens à sa vie ne commence pas par de l'action. Alléluia. Ce n'est pas le premier élément. Amen. Pour donner du sens à sa vie, il faut d'abord commencer par changer sa mentalité, sa façon de penser la vie ou sa façon d'aborder la nécessité pour soi de donner un sens à sa vie. Alléluia. Le sens de sa vie. Quel est le sens de la vie que Dieu nous a donné? Ou alors, quel est le sens de la vie que Dieu m'a donné? Alléluia. Et le Seigneur a commencé à me dire, tu sais, le premier sens que tu dois donner à la vie que je t'ai donnée, c'est tout simplement la vie. Alléluia. Oui, je sais que je suis en train de dire quelque chose que tu ne comprends pas tout à fait. La vie, c'est tout simplement la vie. Amen. Donner du sens à sa vie devrait commencer d'abord par le fait de réaliser que la vie dont nous bénéficions est la plus belle chose. Alléluia. Il y a un proverbe africain qui dit ceci. Un chien est plus précieux. Un chien vivant est plus précieux ou a plus de valeur qu'un lion mort. Alléluia. Tu peux penser à des grandes choses. Tu peux vouloir réaliser des grandes choses. Et tu peux même les avoir accomplies. Mais tout cela devient néant. Tout cela devient zéro si tu n'es plus vivant. Alléluia. Alors la plus importante, la plus précieuse des choses, lorsqu'on parle de donner un sens à sa vie, c'est tout simplement de réaliser qu'on est vivant. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi? Alléluia. Donner du sens à sa vie, c'est simplement réaliser que nous bénéficions de la plus belle chose qui existe sur cette terre, c'est la vie. Et le passage que nous avons lu nous rappelle cette réalité. Que dit Salomon? Il dit va, va, alléluia, va simplement. Il est en train de dire lâche, lâche. Et réalise tout simplement que la chose est moins compliquée que tu ne le penses. Quand il dit va, peut-être que tu vas penser que la suite ce serait va escalader telle montagne, va réaliser tel exploit. Mais il dit simplement va, va manger, va boire. Ah oui, des choses aussi simples que ça. Donner du sens à sa vie, c'est déjà le simple fait de réaliser qu'on est un être vivant, qu'on est une personne vivante et qu'on peut respirer, manger bêtement, si je peux m'exprimer ainsi, son pain. Alléluia. Peu importe ce que tu as à manger, c'est du pain, c'est des pommes de terre, c'est de la tieké, c'est du caviar. L'essentiel est que tu es une personne vivante qui peut manger. Salomon dit, va. Mange, mange ce que tu as. C'est une grâce, alléluia. Va, bois, bois ce que tu as. Va, bois de l'eau, si c'est de l'eau que tu as. Si c'est du coca que tu as, bois-le avec joie, bêtement. Alléluia, va, bois. Si c'est du nyom koudji que tu as, si c'est du bissap que tu as, si c'est du champagne que tu as, peu importe, le plus important, c'est que tu sois un être vivant qui peut manger, qui peut boire, qui peut se mouvoir. Alléluia. La Bible dit que nous devons lui rendre grâce parce que tout simplement, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Donner du sens à ta vie ou redonner du sens à ta vie va donc commencer par le simple fait de réaliser
que tu bénéficies du plus grand bien, du plus grand trésor qui existe sur cette terre, c'est tout simplement la vie. Alléluia, tu es vivant. Donner du sens à ta vie, c'est accepter la vie que Dieu t'a donnée et accepter de la vivre de la plus simple manière possible. Alléluia. Et si tu commences à réaliser cela, alors tu es déjà dans les bonnes dispositions pour redonner véritablement du sens à ta vie. Simplement réaliser et bénir Dieu pour la vie qu'on a. L'action vient après. Alléluia. L'action vient après. Si tu as commencé à réaliser cela, nous pouvons donc commencer à parler d'action. Alléluia. Dis avec moi, je suis vivant. Ou je suis vivante, parce que nous sommes des femmes. Je suis vivante. Je bénéficie du plus grand trésor qui se trouve sur terre. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Alléluia. Acclame le Seigneur pour la précieuse vie que tu as et réalise qu'elle est précieuse. Réalise qu'il y a quelqu'un qui ce matin aurait voulu continuer à bénéficier de ce trésor, mais qui n'a pas eu cette grâce. Réalise qu'il y a quelqu'un qui aurait voulu voir ce jour du 15 avril et qui n'a pas eu cette grâce. Alléluia. Ta vie a un sens simplement parce qu'elle l'est. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, tu vas dire avec moi action. Répète action. Nous allons donc passer à l'action pour redonner des couleurs à notre vie, pour redonner un sens à notre vie, ou je dirais pour redonner tout son sens à notre vie. Pendant ce mois de mai, je le disais tout à l'heure, je vais citer 10 éléments, 10 principes, 10 actions que nous devons mener pour redonner du sens à notre vie ou pour donner son véritable sens à notre vie. Amen. Et si tu es prête, nous allons aborder le point 1. Le point 1 pour donner ou redonner du sens à ta vie, ma sœur, c'est de redécouvrir ta valeur. Alléluia. Si nous voulons donner du sens à nos vies, nous devons redécouvrir notre valeur. Amen. Bien souvent, on a le sentiment que notre vie n'a pas de sens simplement parce qu'on se sent insignifiante, on se sent inutile. Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment-là? Je pense que le sentiment de l'insignifiance ou du fait d'être inutile est un sentiment qu'on éprouve tôt ou tard. Alléluia! Parce que tout dépend en fait de l'environnement dans lequel on se trouve. On peut être dans un environnement où on est apprécié, on est acclamé. Et puis après, on se retrouve dans un autre environnement où on n'a aucune valeur pour les personnes qui nous entourent. Alléluia. C'est un sentiment qui va finir par naître. Et ce sentiment va apparaître lorsque on se sent rejeté. Alléluia. Lorsqu'on se sent rejeté dans un groupe ou dans un environnement donné. Lorsqu'on se sent rejeté par les personnes qu'on admire, qu'on estime ou qu'on aime, si c'est le cas, on va commencer à se sentir insignifiante ou inutile. On peut se sentir insignifiante lorsqu'on se sent méprisé. Tu vois, tu sens que les personnes qui sont autour de toi te méprisent d'une façon ou d'une autre, ou lorsqu'on se sent dévalorisé. On se sent également insignifiante lorsque on se sent ignoré par les personnes qui nous entourent ou simplement, des fois, on a le sentiment d'être invisible. Tu vois, moi, je te confesse que j'ai déjà eu ce sentiment-là. C'est un sentiment qu'on peut avoir vis-à-vis de ses amis de classe, par exemple. Quand on est dans une classe où on n'est peut-être pas la star de la classe, on peut se sentir insignifiante. Il y a des femmes qui peuvent avoir ce sentiment-là dans leur propre foyer, tu vois. Lorsque le conjoint ne t'associe pas à des décisions, lorsqu'il fait des choses qui, ma foi, ne tiennent pas compte de ta présence. Il peut arriver un moment où tu as vraiment le sentiment de te sentir insignifiante ou ignorante. Ça peut être même dans ton milieu professionnel. Tu vois,
tes supérieurs, tes collègues ne comptent pas avec toi. On pourrait dire que tu comptes pour du beurre. Ta présence, ton absence, franchement, ça ne compte pas dans le bureau. Et quand c'est comme ça, on peut se sentir foudroyé et avoir ce profond sentiment d'insignifiance et avoir l'impression qu'on n'a pas de valeur. Quand on n'a pas de valeur, on finit par se dire que sa vie n'a pas de sens. Alléluia. Mais je veux dire à une personne ce soir, je veux dire à une Léaman, je veux dire à une femme que ce sentiment douloureux que tu ressens est un sentiment de mensonge. Alléluia. C'est un sentiment de mensonge parce qu'en vérité, tu es une personne qui a de la valeur. Et pour donner du sens à ta vie, tu dois absolument redécouvrir la valeur que le Seigneur te donne. Alléluia. Tu es une personne de valeur. Parce que la valeur que nous avons n'est pas une valeur que nous devons négocier auprès des autres. Ta valeur ne se trouve pas dans le regard d'autrui. Ta valeur ne se trouve pas dans les commentaires ou dans la bouche d'autrui. Ta valeur se trouve dans la valeur que celui qui t'a créé te donne. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a donné une valeur spéciale à chaque femme et à chaque être humain. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Alléluia. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur qui t'a créé dit qu'il te connaissait avant ta naissance. Il te connaissait. Et parce qu'il te connaissait, il t'a prévu un avenir. Il a prévu des choses spéciales pour toi. Alléluia. Nous allons rapidement lire Ésaïe 43. À partir du verset 1er, il est dit, je lis rapidement. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ô Jacob, je dirais ô Léaman, ô femme, celui qui t'a formé, ô Léaman, ô femme, ne crains pas, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, dit l'Éternel. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Le Seigneur te dit que, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit l'état dans lequel tu es, il est toujours avec toi parce qu'à ses yeux, tu as de la valeur. Alléluia. Au verset 3, il est dit, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. » Verset 4, « Parce que tu as du prix à mes yeux. » Parce que tu es honoré et que je t'aime. Alléluia. Tu vois, ton Dieu t'aime. Si tu es une femme en Christ, sache qu'il y a une personne pour qui tu as de la valeur. Et cette personne, c'est la plus grande personnalité de l'univers. Peut-être que tu n'as pas de relation haut placée sur cette terre. Peut-être que tu n'es pas tu n'es pas la fille d'un ministre ou d'un président de la République. Mais tu es la fille du Dieu des dieux, du Seigneur des seigneurs, du Roi des rois. Alléluia. Et à ce titre, tu as absolument une grande valeur. Amen. Et le Seigneur nous dit également dans 1 Corinthiens 6, le verset 20, que nous avons été rachetés à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Le Fils de Dieu est venu sur terre. La Bible dit qu'il est mort sur la croix pour toi. Alléluia. Et jusqu'à ce jour, Dieu se bat pour ton salut. Il se bat pour ta bénédiction. Il se bat pour manifester la merveilleuse destinée qu'il a prévue pour toi. Alléluia. Cela signifie que tu as une grande valeur à ses yeux. Alléluia. Alors, redéfinis ta valeur. Qui es-tu? Est-ce que tu réalises que tu es une personne extraordinaire? Est-ce que tu réalises, comme David pouvait le dire, que tu es une créature merveilleuse, quelqu'un que Dieu a pris le temps de façonner? Ça ne dépend ni de ta taille,
ni de ton teint, ni de la forme de tes yeux, ni de ce que tu fais au quotidien, ni même de comment tu te comportes. Parce que la Bible dit que même quand nous sommes infidèles, lui demeure fidèle à son amour pour nous. Alléluia, tu as de la valeur. Alors ne repense pas à ces paroles qui t'ont blessé. Peut-être que ce matin, il y a eu une situation qui t'a fait douter de la valeur que tu as, qui t'a fait douter de la personne que tu es. Lève-toi et refuse d'être assimilé à rien. Alléluia. Lève-toi et refuse d'être assimilé à zéro parce que tu as de la valeur aux yeux de celui qui t'a créé et tu dois redéfinir ta valeur. Alléluia. C'est la première condition pour que tu redonnes du sens à ta vie. Alléluia. Tu as de la valeur, femme. Tu as de la valeur. Acclame le Seigneur parce que tu as de la valeur. Et si tu réalises que tu as de la valeur, tu vas voir que les choses commencent à changer. Peut-être qu'on t'a méprisé, peut-être qu'on t'a piétiné, mais ce n'est pas grave parce que toi-même, tu connais ta valeur. Alléluia. Et parce que tu connais ta valeur, tu vas te lever pour commencer à agir, à faire les choses en fonction de la valeur que Dieu te donne. Alléluia. Dans les Proverbes, au chapitre 31, Dieu nous présente une femme extraordinaire, une femme de valeur. Alléluia. Et je peux t'affirmer que tu es cette femme-là. Amen. Le Seigneur a mis en toi des capacités extraordinaires. Tu es une femme de valeur. Dis avec moi, je suis une femme de valeur. Alléluia. Le deuxième point pour redonner du sens à ta vie, c'est de te reconnecter aux promesses du Seigneur. Alléluia. Si nous voulons comprendre, saisir le sens de notre vie, nous devons nous reconnecter à Dieu, notre Créateur, et à toutes les promesses qu'il a pour nous. On l'a dit et redit, aucun instrument ne peut connaître sa fonction si elle n'est définie par celui qui l'a fabriqué. Alléluia. Qui d'autre peut donner un sens à ta vie si ce n'est celui qui t'a créé? Qui peut écrire un scénario pour ta vie si ce n'est celui qui t'a façonné? Alléluia! Et la Bible dit que celui qui t'a façonné, il a des projets extraordinaires pour toi. Il a des projets extraordinaires pour toi. Et il le dit en Jérémie 29, le chapitre 11, un passage que j'aime énormément. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Alléluia. Des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Dieu a un plan pour ta vie. Il a un avenir pour toi. Il ne t'a pas créé pour le néant. Alléluia. Si tu existes, c'est qu'il y a un plan, il y a un programme, il y a une destinée de gloire qui est attachée à ta merveilleuse vie. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas dire merci Seigneur pour le plan merveilleux que tu as pour moi. Et ça, c'est une promesse du Seigneur. Alléluia. En Éphésiens 2, le verset 10, la Bible nous dit ceci. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Alléluia. « Afin que nous les pratiquions. » Voici la promesse du Seigneur pour toi. Il dit, il sait pourquoi il t'a créé. Il te dit qu'il a préparé des œuvres pour que tu les accomplisses. Alléluia. Alors ne commence pas à te poser trop de questions. Dis simplement dans la prière, « Père, me voici pour accomplir les œuvres que tu as préparées pour moi. » Peut-être que jusque-là, tu ne trouves pas ton chemin. Tu n'arrives pas à retrouver le sens de ta vie simplement parce que tu n'es pas là où le Seigneur a prévu que tu sois. Peut-être que tu as voulu conduire toi-même ta vie. Tu as voulu tracer toi-même les sillons de ton existence. Mais je suis venu te dire ce soir qu'il y a un scénariste, il y a un maître, il y a un Seigneur qui a tracer un plan merveilleux pour toi. Et la Bible dit qu'il a préparé des bonnes œuvres. Ce sont des bonnes œuvres. Ça veut dire qu'en fait, tu es préparé pour la gloire. Alléluia. Tu es préparé pour des choses de succès. Amen. Qui peut qualifier l'échec de bonnes œuvres? Non, Dieu ne t'a pas programmé pour l'échec. Il t'a programmé pour de bonnes œuvres. Alors, ne reste pas sur un tabouret à attraper ta tête et te poser des questions qui ne vaillent pas la peine.
mets-toi simplement à genoux, lève les mains vers ton Créateur et dis-lui, Père, je suis prête pour accomplir toutes les bonnes œuvres que tu as préparées pour moi. Parle à mon cœur et positionne-moi sur le chemin de ma destinée. Alléluia. Et tu verras que le Seigneur commencera à écrire ton histoire et bientôt ta vie prendra tout son sens. Alléluia. Dis Amen avec moi. Il a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Alléluia. Et la Bible dit toujours dans ce passage de Éphésiens 2, il a dit au verset 12 qu'il y a eu un temps où nous étions sans Christ. Et à cause du fait que nous étions sans Christ, nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Mais depuis le moment où nous nous sommes reconnectés à Christ, nous entrons dans les plans et les projets que Dieu a préparés pour nous. Si nous étions sans espérance, notre espérance aujourd'hui devient oui et amen. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Si tu n'es pas reconnecté au Seigneur, si tu n'as pas la foi dans les promesses du Seigneur, c'est le moment de te mettre à genoux et de dire au Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, viens reprendre la place dans mon cœur. Viens me repositionner dans ton plan merveilleux pour ma vie. Et tu verras que quelque chose va commencer à changer. La lumière va commencer à luire dans ta vie. Les couleurs vont commencer à réapparaître dans ta vie. Parce que la gloire de Dieu sera en marche pour toi. Pour que enfin tu puisses trouver un sens à ta vie. Alléluia. La Bible dit que Dieu a renversé le mur de séparation. Il ne fait point acception de personne. Il n'y a pas une personne pour qui Dieu a une destinée merveilleuse et une autre pour qui il a de mauvais plans. Dieu a des bons plans pour chacun de nous. Alléluia. Et si tu crois en cette promesse, ta vie prendra tout son sens et tu vas commencer à réaliser des choses extraordinaires. Amen. Amen. Le troisième point pour redonner un sens à sa vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est simplement le fait de redonner une place importante à la joie dans son quotidien. Alléluia. La joie. Tout simplement la joie. La Bible nous exhorte à être toujours joyeux. Oui, le Saint-Esprit nous parle constamment de la joie dans sa parole, dans la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle en 1 Thessaloniciens 5, 16, un passage que tu connais certainement, il est dit « Soyez toujours joyeux ». Alléluia! Parce que la joie participe à donner un sens à ton existence, à donner un sens à ta vie. En Philippiens 4, 4, un verset que j'aime beaucoup, il est dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et le Saint-Esprit insiste, il dit, je le répète, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Alléluia! Et Romains 12, 12 nous parle aussi de la nécessité de se réjouir, c'est-à-dire d'être dans la joie. Même lorsque nous passons par des moments difficiles, nous devons être dans la joie, dans l'espérance. Alléluia! Je veux dire à une personne, à une femme ce soir, la vie n'est pas un combat. On l'a dit en commençant ce moment. Dieu t'a donné la vie simplement pour que tu la vives simplement. Oui, je me répète, Dieu t'a donné simplement la vie pour que tu la vives simplement. Tu vois, le fait de te lever tous les matins et déjà au réveil du lit, de prendre cette position de catch, de boxe, de lutte, tu vois, ce n'est pas la bonne attitude. C'est parce que tu es triste quand tu te lèves que les ténèbres commencent à envahir ton cœur. Que la lumière de l'extérieur commence à devenir sombre. Que tu vois la vie sombre. Tu vois, tu t'es levé ce matin. Mais quel était ton sentiment au réveil? Est-ce que tu avais de la joie? Ou plutôt, tu avais des appréhensions, des doutes, des questionnements, de la colère, de la nervosité, de la rancune? Tu vois, autant de sentiments avec lesquels tu te lèves le matin qui
vont favoriser le fait que tu te perdes dans les néants et que ta vie n'a plus aucun sens, n'a plus aucun goût. Alléluia. Peut-être que tu te lèves simplement avec trop de questions sur ce jour qui commence, ou sur le lendemain, ou sur le mois prochain qui n'est même pas encore arrivé. Le Seigneur te dit une chose, sois tout simplement joyeuse. Alléluia. Sois tout simplement joyeuse. Ne te lève pas avec le visage renfrogné, avec le cœur rempli de choses qui, au lieu de t'apporter la joie, t'apportent la tristesse. Tu te lèves avec une chose que tu as vécue hier, mais qui t'a fait mal. Et si simplement, tu te levais avec la joie. Alléluia. La joie est un bon remède. Alléluia. La Bible dit qu'une personne qui est malade va commencer à retrouver la guérison simplement en expérimentant la joie. Ne te lève pas tous les matins prête à aller au combat. Change de disposition. Commence à être une personne pleine de joie. Je sais que souvent, on se dit non, je ne vais pas passer mon temps à rire, je ne vais pas passer mon temps à être joyeuse pendant que j'ai des responsabilités. Je veux te dire que la responsabilité ne s'oppose pas à la joie. Alléluia. Tu peux être une personne responsable tout en étant une personne joyeuse. Amen. Je vais te poser une question. Depuis combien de temps est-ce que tu n'as pas ri aux éclats? Dis-moi. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps est-ce que tu n'as pas pris le temps de raconter une anecdote drôle à quelqu'un autour de toi? Je sais, peut-être que la situation est difficile en ce moment. Peut-être que financièrement, ce n'est pas évident. Mais est-ce que tes inquiétudes ont le pouvoir de changer quelque chose? Non. La Bible dit, personne ne peut changer quoi que ce soit par ses inquiétudes. Par contre, la joie est un bon remède. Alléluia. La joie est un bon remède. Et si tu commences à laisser la joie du Seigneur envahir ton cœur, tu vas réaliser que tu es capable de changer ceci ou cela, ou simplement parce que tu es dans la joie, les choses d'elles-mêmes vont commencer à changer autour de toi. Amen. La joie est un bon remède. Nous devons donner de la place à la joie. Pourquoi est-ce que nous devons être dans la joie? Simplement parce que nous sommes vivantes, n'est-ce pas? Et nous pouvons prendre le temps d'apprécier des petites choses qui peuvent nous donner de la joie. Tu vois, le soleil qui se lève, si tu prends le temps de l'observer, il est capable de remplir ton cœur de joie. Alléluia! Tu dois laisser la joie prendre la place dans ton cœur. Peut-être qu'il y a des personnes autour de toi qui travaillent à t'énerver. Ce n'est pas grave. Toi, décide d'être une personne joyeuse. Alléluia. Et commence à chanter. La joie du Seigneur est ma force. 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 Alléluia. Je t'assure que si tu commences à penser comme ça, les choses vont changer. Il y a eu un matin où je m'étais levée et comme je l'ai dit, ce jour-là, j'ai brusquement eu le sentiment d'insignifiance. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que souvent, nous gardons des choses dans notre inconscient qui travaillent en nous, même pendant la nuit. Et puis au réveil, le résultat est là. Je me suis levée. Malgré tout ce que j'avais fait la veille, brusquement, je me suis sentie insignifiante. Je me suis sentie sans valeur. Et la tristesse voulait m'envahir. Et j'avais commencé à me dire, mais moi-même, je vis pourquoi? Tu vois, la même question. Quel est le sens de ma vie? Je cours du matin au soir. Quel est le sens de ma vie? Je fais ceci, je fais cela. Quel est le sens de ma vie? Et la tristesse avait commencé à envahir mon cœur. Alors j'ai commencé à prier. Et vous savez, dans ce genre de situation, quand on rentre dans la prière, vous savez, les larmes commencent à couler. Et mes larmes ont commencé à couler. Je ne savais même pas pourquoi. Simplement, mon cœur était dans la tristesse.
Alléluia. Et pendant que les larmes coulaient de mes yeux et que je disais au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens à mon secours. Alors ce cantique est monté dans mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La force dans la joie du Seigneur. Alléluia. Et j'ai commencé à fredonner ce cantique. Et au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait une tristesse dans mon cœur par rapport à ceci. Et je me suis dit, mais pourquoi je vais être triste par rapport à ça? Alléluia. Pourquoi je vais être triste par rapport à autre chose? Peut-être que ton mari ne t'a pas dit bonjour ce matin. Pourquoi tu vas être triste? Parce qu'on ne t'a pas dit bonjour. Lève-toi et sois dans la joie. Alléluia. Et toi, commence à distribuer des souris autour de toi. Commence à dire bonjour à tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Peut-être que tu t'es levé et tu es déjà dans la tristesse parce que tu n'as pas l'argent du marché. Tu n'as pas l'argent pour résoudre telle ou telle situation. Et si tu commençais simplement à sourire et à te dire, la joie du Seigneur est ta force. Alléluia. Et j'ai expérimenté le pouvoir de la joie. Et pendant que je chantais ce cantique, la joie a rempli tout mon cœur. Et brusquement, j'ai trouvé que j'étais une reine. Alléluia. Brusquement, j'ai commencé à réaliser toutes les choses extraordinaires que le Seigneur fait dans ma vie. Et la joie a rempli mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je suis la plus bénie des femmes. Je suis la plus heureuse des femmes. Je suis ta fille chérie et je suis vraiment bénie. Alléluia. Alors s'il y a longtemps que tu n'as pas expérimenté la joie, commence à regarder autour de toi et sans même trouver un motif d'être dans la joie, décide d'être dans la joie. Commence à rire aux éclats. Alléluia. S'il y a longtemps que tu ne l'as pas fait, commence à rire aux éclats. Peut-être que quelqu'un autour de toi va dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle devient folle. Non, tu es simplement en train de redonner un sens à ta vie. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur avec moi. Tu vas acclamer le Seigneur avec moi. Tu es une femme de valeur. Alléluia. Dieu a des promesses pour toi et la joie est ton premier allié dans le fait de donner un sens à ta vie. Alléluia. Nous allons rentrer dans la prière. Nous allons prier par rapport à toutes ces choses que le Seigneur nous a dites. Aujourd'hui, Dieu nous a donné trois secrets pour redonner un sens à notre vie. Nous allons entrer dans la prière et prier. Tu as certainement identifié ce qui n'est pas dans ta vie par rapport à ces trois choses. C'est peut-être le point 1, le point 2 ou le point 3. Ou peut-être c'est même tous ces trois points. Alors nous allons entrer dans la prière. Et je t'assure que avant de quitter ce rendez-vous de Léaman en prière, quelque chose aura changé dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons encore élever la voix et chanter avec notre équipe de louanges. Parce que nous nous apprêtons à entrer dans la prière, mais de façon victorieuse. Alléluia. Alors, on va encore dire au Seigneur que nous sommes des victorieuses. Alléluia. Que nous sommes nés pour régner. Alléluia. Que nous surmontons tous les obstacles. Amen. Alléluia. Commence à bouger avec joie. Commence à bouger avec joie. Alléluia. Bouge avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Oh, le Dieu Tout-Puissant est de mon côté. Hey, même quand l'ennemi se lève contre moi, je suis caché en lui, je garde la foi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Le Dieu Tout-Puissant est de mon côté. Même quand l'ennemi se lève contre moi, je suis caché en lui, je garde la foi. Il est là-haut, il veille sur moi. Il est là-haut, me couvre de sa gloire. Il est présent, il marche devant moi. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je loue son nom. Je loue son nom, yeah. Je loue son nom. Je loue son nom, yeah, yeah, yeah. Je loue son nom. Je loue
comme son nom. Oui, Jésus, je veux louer ton nom, je loue son nom. Je veux louer son nom, je veux chanter son nom, yeah, yeah. Je veux louer son nom. Oh my God, oh. Je veux louer son nom, je veux chanter son nom, yeah. Je veux louer, louer, louer. Je veux louer son nom, je veux chanter son nom, yeah, yeah. Je veux louer son nom. Oh my God, oh. Je veux louer son nom, je veux chanter son nom, yeah, yeah. Je veux louer son nom. Je veux louer, je veux louer son nom. Je veux chanter son nom, yeah, yeah. Je veux louer son nom. Oh my God, oh. Je veux louer son nom. Je veux chanter son nom, yeah, yeah. Je veux louer son nom. Je veux louer son nom. Je veux louer son nom. Le Dieu de ma victoire. Je veux chanter son nom, yeah, yeah. Je veux louer son nom. Alléluia. Alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur. Et je sais que de là où tu suis en ce moment cette prière, tu es rempli de joie. Tu sens la présence de Dieu envahir le lieu où tu te trouves parce que le Seigneur est là. La Bible, il envoya sa parole et ses paroles les guérit. Alléluia. Et je crois que la parole de Dieu est venue nous guérir. Je vois une femme qui va redonner du sens à sa vie. Je vois une Léaman qui va donner même du sens à sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour asseoir cette parole que nous avons reçue, nous voulons simplement ensemble prier là où nous sommes, parce que le Seigneur est avec nous. Il a dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Ne crois pas que tu es seul chez toi, mais pendant que tu participes à ce moment, le Seigneur est avec nous. Et nous allons ensemble élever la voix et bénir le Seigneur pour cette parole puissante. Nous croyons qu'elle va porter du fruit dans nos vies. C'est pourquoi ensemble, élevons la voix et bénissons le Seigneur pour sa parole. Élevons la voix ensemble, Léaman. Oh Seigneur, nous voulons te bénir pour cette parole que tu nous envoies. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de hasard. Si tu as mis cette parole dans le cœur de ta servante, c'est parce que tu sais que plusieurs d'entre nous se posent des questions. Plusieurs d'entre nous ont renoncé, Seigneur, à la joie. Plusieurs d'entre nous même ont délaissé leur vie, Seigneur, à cause de certaines situations. Mais au travers de cette parole que tu nous donnes, Seigneur, tu nous apportes une réponse. Et nous bénissons ton nom pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans nos vies. Nous croyons que cette parole portera du fruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi pendant que nous élevons la voix vers toi, Seigneur, entends nos voix. Entends nos voix pendant que nous allons prier. Seigneur, entends-nous et exauce chacune d'entre nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et la première chose que la servante de Dieu a dit, c'est que nous devons réaliser que notre plus beau trésor, c'est la vie. Amen. Quelqu'un avait déjà oublié qu'elle avait la vie à cause des situations qu'on traversait. C'est pourquoi encore ensemble ce soir, nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Tu vas dire, Seigneur, c'est vrai. Je n'ai pas peut-être ce que je recherche. Je n'ai pas une voiture. Je n'ai pas la maison que je veux. Peut-être même je vis dans des situations difficiles. Mais je suis en vie. Et c'est une grâce que tu m'as faite. Alors ensemble, élevons la voix et disons merci au Seigneur pour la vie. C'est le plus beau trésor, quelles que soient les situations. Tant que nous avons la vie, le Seigneur peut opérer un retournement. Élevons ensemble la voix et bénissons le Seigneur pour la vie. Seigneur, merci pour la vie. Nous avons réalisé au travers de ta parole, de l'enseignement de ta servante, que tu as mis sur le cœur de ta fille, Seigneur, que Jésus, la vie est un grand trésor. C'est un trésor inestimable que tu nous as donné, oh Dieu. C'est pourquoi nous voulons te dire merci pour la vie. Merci, Seigneur. Nous voulons apprécier cette vie que tu nous as donnée. Nous voulons, Seigneur, reconnaître que nous avons la vie par ta grâce. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes de réaliser que c'est un trésor, que c'est un capital que tu nous as donné. Tant que nous avons la vie, Seigneur, tout peut changer. Tant que nous avons la vie, Seigneur, quelque chose peut se passer. Nous te bénissons, Seigneur, pour notre vie. C'est une grâce, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour la vie, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous voulons demander aussi pardon, Seigneur, pour toutes les fois où la quête de certaines choses nous empêchait d'apprécier la vie qu'il nous a donnée. Plusieurs parmi nous ont démissionné concernant leur vie en cherchant des choses, en se morfondant dans leur lit. Mais ce soir, le Seigneur nous a dit qu'il nous a donné cette vie qui est précieuse. Alors nous allons ensemble demander pardon, Seigneur, pour dire, Seigneur, pardonne-moi pour tout le temps, toute la vie que tu m'as donnée, que je n'ai pas considérée parce que je regardais à autre chose. Élevons ensemble la voix vers le Seigneur et demandons-lui pardon.
pardon. Demandons-lui pardon pour la vie que nous avons gaspillée. Demandons-lui pardon parce que nous avons regardé aux choses que nous n'avions pas. Toujours en train de courir derrière des choses que nous voulons posséder. Demandons pardon ensemble au Seigneur. Oh Jésus, nous voulons venir devant toi, Seigneur, ce soir. Et nous voulons te demander pardon. Au travers de cette parole, nous avons compris combien de fois tu nous as bénis par la vie. Seigneur, nous sommes en train de courir derrière tellement de choses que nous n'apprécions pas cette vie si précieuse que tu nous as donnée, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous l'avons négligée. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons pas considéré. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons focalisé notre esprit sur les choses que nous n'avions pas, Seigneur. Plusieurs parmi nous ont regardé le verre à moitié vide au lieu de regarder cette vie que tu nous as donnée et qui a rendu notre verre, Seigneur, à moitié plein. Merci, Seigneur, pour la vie. Même s'il y a des choses que nous n'avons pas, Seigneur, nous voulons reconnaître que tu nous as donné une chose importante, qui est notre vie, qui est le souffle de vie. Merci, Seigneur. Pardonne-nous pour nos erreurs d'hier. La Bible dit que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Seigneur, ne tiens pas compte des temps d'ignorance pour plusieurs d'entre nous, mais donne-nous à partir de ce jour de pouvoir apprécier la vie. Seigneur, nous croyons que tu nous pardonnes. Nous croyons que tu nous pardonnes. Nous croyons, Seigneur, que ce soir, tu nous donnes de prendre conscience de cela et de réaliser le trésor que tu nous as donné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Amen. Nous voulons prier pour ce sujet. Nous voulons demander au Seigneur de nous aider à nous voir comme lui, il nous voit. La première chose que nous avions à faire, c'est de reconnaître notre valeur. Et cette valeur se trouve dans les yeux de notre Créateur. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Il nous a fait à son image. Pendant que nous le contemplons, nous lui ressemblons davantage. Alors ce soir, nous voulons encore prier pour dire, Seigneur, aide-moi à me voir comme toi tu me vois. Je ne veux pas me voir comme les gens m'ont vu. Je ne veux pas laisser ces paroles que les gens ont données envahir mon esprit. Mais je veux simplement, Seigneur, me voir comme toi tu me vois. Alors prie maintenant. Et si tu es à la maison, pendant que tu es dans ta maison, tu peux mettre simplement les mains sur les yeux. Tu vas dire, Seigneur, change ma vision. Que je me vois comme toi, tu me vois. Que je me vois comme la créature merveilleuse que tu dis que je suis. Oh Seigneur, nous élevons la voix vers toi. Oh notre Dieu, et nous voulons crier à toi, Seigneur. Combien de fois nous ne nous sommes pas rabaissés nous-mêmes? Combien de fois nous avons laissé les pensées de l'extérieur nous donner une image de nous-mêmes qui n'est pas la vérité? Mais ce soir, Seigneur, donne à chacune d'entre nous de nous voir comme toi tu nous vois, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, que les écailles tombent de nos yeux, les écailles du rejet, les écailles, Seigneur, de l'abandon, les écailles, Seigneur, de toutes ces situations. Donne-nous de nous voir, Seigneur, comme toi tu nous vois ce soir. Pendant que nous sommes en train de prier, Seigneur, change notre façon de nous voir. La Bible dit que tes voix ne sont pas nos voix et tes pensées ne sont pas nos pensées. Seigneur, c'est pourquoi nous prions, Seigneur. Donne-nous de nous voir, oh Dieu, comme toi tu nous vois, comme toi tu nous as créés. Tu as dit que tu as des projets de paix et de bonheur pour nous, non des projets de malheur. Seigneur, nous voulons nous voir ainsi. C'est pourquoi brise, Seigneur, toutes ces choses qui ne viennent pas de toi. Enlève de nos yeux ces lunettes avec lesquelles nous avons passé notre temps à nous voir nous-mêmes, Seigneur. Qu'elles soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que nous puissions, Seigneur, nous voir comme toi tu nous vois, avoir l'image, Seigneur, que toi tu as de nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu le fais dans nos vies. Tu le fais dans nos vies. Pendant que nous élevons la voix vers toi, tu le fais, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu crois que quelque chose a changé concernant ta vision, tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Il nous exauce encore ce soir. Alléluia. Nous voulons prier. Amen. Nous voulons prier pour ce sujet parce que certaines d'entre nous, nous ne nous voyons pas comme Dieu nous voit parce qu'il y a eu des pensées qui sont venues. La Bible dit que le diable est très enflammé. Souvent, il utilise même des personnes autour de nous. Il a utilisé des personnes pour te rabaisser, pour t'empêcher d'être la personne que tu dois être, pour te donner des pensées qui ne sont pas la pensée de Dieu. Certaines parmi nous entendent des voix qui disent tu ne réussiras jamais. Mais ce soir, nous voulons prier contre ces pensées. Nous voulons nous élever contre ces hauteurs qui s'élèvent contre la volonté de Dieu dans nos vies, contre la connaissance de Christ. Nous allons nous élever contre ces pensées qui ne sont pas de Dieu. Et nous allons dire que nous détruisons ces pensées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la voix qui t'a parlé depuis ton enfance, quelles que soient les paroles dévalorisantes que tu as entendues ce soir, pendant que nous sommes en train de prier en battant des mains, tu vas battre des mains là où tu te trouves. Tu vas battre des mains, tu vas dire, Seigneur, je renverse maintenant toutes pensées qui ne sont pas de toi. Élevons la voix ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Ah Seigneur, reba shakara baba yonto kobo shekere mama, sekere baba yonto korobo shakara baba 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 baba, remasikiri baba yonto korobo shekere mama yonto korobo shekere mama. Oh Seigneur, nous voulons renverser ces pensées qui ne sont pas de toi. L'ennemi est venu, Seigneur, et tu as dit dans cette parabole que parce qu'il dormait, l'ennemi est venu et il a semé l'ivraie. Seigneur, nous voyons l'ivraie, ces pensées négatives qui ont été semées dans nos vies. Ah Jésus, mais le temps est arrivé, Seigneur, pour que l'ivraie soit arrachée. C'est pourquoi nous nous élevons contre ces pensées qui ne viennent pas de toi, ces pensées qui nous rabaissent, ces pensées, Seigneur, qui intimident plusieurs de tes filles, ces pensées qui nous empêchent de manifester le potentiel que tu as mis en nous. Seigneur, pendant que nous prions en battant tes mains, nous croyons, Jésus, que tu renverses ces pensées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons, Seigneur, toute parole de mépris. Nous brisons, Seigneur, toute parole qui nous a rabaissés. Nous brisons, Seigneur, toute parole qui nous a dit que nous n'allons pas réussir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons ces paroles et nous déclarons, Seigneur, que c'est ce que toi tu as dit qui reste dans notre esprit. Toute autre pensée qui n'est pas de toi est ôtée et arrachée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah Père, nous te bénissons parce que dans la vie d'une femme, d'une Léamon ce soir, tu vas jusqu'à dans le tréfonds de ses pensées et tu arraches les pensées négatives au nom de Jésus-Christ de au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu éloignes, tu arraches, Seigneur, ces pensées qui ne viennent pas de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu agis maintenant. Mets le doigt sur cette pensée-là et qu'elle soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que plus jamais ma sœur, que plus jamais moi-même, nous ne nous voyons comme des personnes, Seigneur, qui ne sont pas capables. Mais nous nous voyons comme toi tu nous vois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous voyons nos pensées. Toutes ces pensées sont brisées. Alléluia. Et nous allons prier maintenant. Jérémie pouvait dire que Dieu l'a établi pour arracher, mais aussi pour planter. Nous avons arraché les mauvaises pensées et nous allons maintenant planter les pensées de Dieu. Alléluia. Lorsque la servante de Dieu, le pasteur Liliane, a prêché tout à l'heure, elle nous a dit ce que le Seigneur a dit. Il dit, il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Il dit qu'il t'a créé pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous allons prier et nous allons dire au Seigneur que ces pensées-là soient mon quotidien. Que lorsque je prendrai ma Bible, je médite ces paroles-là et que ce soit mon quotidien afin qu'aucune autre pensée ne vienne. Dans ma tête, dans mon esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions maintenant pour que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs de la pensée de Dieu. Élevons ensemble la voix. Rabba sekere baba yonto kobo shakara mama. Sekere bara yente kere bo shekere mama. Rabba baba 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 baba. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est ce que toi tu as dit, Seigneur, qui reste dans mon esprit. C'est ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Et tu veilles sur ta parole, Seigneur, pour l'accomplir. Tu as dit que tu as des projets de paix et non de malheur pour moi. Seigneur, c'est cette parole que je crois. Tu as dit, Seigneur, que j'ai de la valeur à des yeux. Si je marche dans les eaux, Seigneur, elles ne me submergeront pas. Si je marche dans le feu ne m'embrasera pas, Seigneur, parce que j'ai du prix à tes yeux. Seigneur, je crois à cette parole. Seigneur, je crois que tu m'as créé pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Merci parce que tu remplis mon esprit de ces pensées. Non, je ne suis pas le fruit du hasard, Seigneur, mais je suis le fruit de ta volonté, car tu m'as pensé avant que je ne sois. Comme tu as dit, Seigneur, à Jérémie, avant que je ne sois, quand j'étais dans le sein de ma mère, Seigneur, tu me connaissais déjà et tu connaissais les jours qui m'étaient destinés et tu connaissais, Seigneur, les précieuses choses que tu voulais faire avec moi. Oh Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier, tu te révèles à chacune d'entre nous. Seigneur, tu nous donnes d'avoir la pensée que toi tu as de nous, ces femmes précieuses, ces femmes que tu utilises, ces femmes qui sont des sources de bénédiction là où elles se trouvent. Seigneur, nous croyons que c'est ce que tu as fait de nous et pendant que nous sommes en train de prier, Seigneur, nous prenons cette forme que tu nous as donnée. Non plus jamais ne nous laisserons rabaisser par les paroles de l'ennemi, car nous croyons en ce que toi tu nous as dit, Seigneur, nous le croyons et ces paroles sont notre quotidien. Tu nous aides à nous les répéter, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier pour cet avant-dernier sujet et nous voulons dire au Seigneur, restons notre relation avec toi. Seigneur, restons notre relation avec toi. Parce que pour donner du sens à sa vie, nous devons mettre Jésus au centre de notre vie. Et la servante du Seigneur l'a dit tout à l'heure. Prions pour dire, Seigneur, sois le centre de ma vie. Si toi tu es là, ma vie a un sens. Et je peux vivre ma vie. Parce que toi, Jésus, tu es avec moi. Je veux me reconnecter à toi. Alors est-ce qu'on peut ensemble élever la voix et demander au Seigneur de restaurer notre relation avec lui? Peut-être que tu t'es connecté à ce moment et tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus. C'est l'occasion pour toi de revenir à lui. Il va redonner du sens à ta vie.
Ah, élevons ensemble la voix et prions le Seigneur maintenant. Père, celui qui donne du sens, qui redonne du sens à notre vie. Tu nous as dit que l'une de ces étapes, Seigneur, c'est d'être connecté à toi. Merci pour notre relation avec toi, Seigneur. Merci parce que celles qui étaient en train de faiblir, Seigneur, tu leur redonnes de la force. Merci pour toutes celles parmi nous qui ne te connaissaient pas, oh Jésus. Merci parce que nous nous connectons à toi. Et le véritable sens de notre vie maintenant se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-toi à nous, Seigneur. Merci. Merci parce que nos vies sont attachées à toi. Merci parce que notre relation avec toi est solide et inébranlable, Seigneur. Nous déclarons qu'aucune situation ne nous sépare de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous le croyons ce soir et nous savons que tu agis. Nous savons que tu agis maintenant. Lorsque nous t'invitons, lorsque toi tu es là, Seigneur, tu te manifestes et nous croyons que tu te manifestes dans chacune de nos vies. Tu prends la place qui te revient maintenant. Tu t'assois sur le trône de nos cœurs, oh Jésus, et tu fais de ces vies que les personnes avaient dénigrées des vies extraordinaires, des vies extraordinaires, des vies qui atteignent leur destinée et qui arrivent à atteindre le but du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu nous entends. Merci Seigneur parce que tu nous exauces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons clôturer ce temps de prière avec ce sujet de prière. On va demander au Seigneur de faire couler dans nos vies une huile de joie. Alléluia. Alléluia, le pasteur Liliane a dit, la joie du Seigneur est notre force. La Bible dit d'être toujours joyeuse. Mais cette joie qui ne finit pas, cette joie qui est constante, c'est la joie qui vient du Seigneur. C'est pourquoi nous allons proclamer, Seigneur, faites descendre sur ma vie une huile de joie. Quels que soient les challenges et les défis auxquels je peux être confronté, que cette huile de joie la coule dans ma vie et que cette joie se manifeste et qu'elle puisse même contaminer mon entourage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Appelons maintenant l'huile de joie. Que le Saint-Esprit fasse descendre sur chacune d'entre nous une huile de joie. Merci Seigneur. Parce que tu, là où nous sommes, là où nous suivons ce temps, pendant que nous participons à ce moment de prière, tu fais couler sur chacune d'entre nous, Seigneur, une huile de joie. Oh, la joie qui vient du ciel, la joie qui vient de toi, cette joie qui ne finit pas. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, elles perdurent. Quelles que soient les choses qui arrivent, nous avons une assurance et nous sommes toujours en joie. Parce que toi, Jésus, tu es avec nous, Seigneur. Merci parce que la tristesse a disparu. Tu as dit que la joie est un bon remède, Seigneur. Nous déclarons, Papa, que même si une femme était malade, parce que l'huile de joie descend sur sa vie ce soir, Seigneur, elle est restaurée dans le nom de Jésus. Parce que l'huile de joie descend ce soir, celle qui est en train d'être déprimée dans la dépression abandonne ces choses et l'huile de joie les relève là où elle se trouve dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que cette huile coule, Seigneur, elle coule sur nos vies, elle coule en nous et ta joie se manifeste dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que nous croyons que tu nous as entendus, que ta joie, Seigneur, nous remplisse, oh Jésus. Merci Seigneur, merci pour cette joie. Merci, merci Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu nous as entendus. Merci parce que tu nous as exaucés. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Oui, tu peux pousser des cris de joie. Tu peux pousser des cris de joie même si tu es à la maison. Alléluia. Parce que l'huile de joie est en train de couler sur toi au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons chanter ensemble ce cantique pendant que nous allons recevoir le pasteur Liliane Sanogo. Nous avons dit que le Seigneur nous a libérés des chaînes de la tristesse, des chaînes de la dépression dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chantons ensemble ce cantique. Libéré, libéré, Christ, Christ m'a libéré. Libéré, oui j'ai la victoire. Libéré du péché, de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ car il m'a libéré. Oui, libéré, Christ m'a libéré. Libéré, oui j'ai la victoire. Libéré du péché, de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ car il m'a libéré. Je vois la joie du Seigneur qui en
envahi des maisons, qui envahit des vies. Alléluia, tu es une femme pleine de joie. Amen. Et Dieu a entendu nos prières. Nous croyons que beaucoup de choses vont changer dans nos vies et nous sommes en bonne marche pour redonner du sens à nos vies. Alléluia. Je voudrais lire ce passage de Jean 13, le verset 17 qui dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureuse pourvu que vous les pratiquiez. » Alléluia. Nous devons noter toutes ces choses que le Seigneur nous dit et le plus important, c'est vraiment de les pratiquer. Nous voulons donner du sens à nos vies ou nous voulons redonner du sens à nos vies. Nous ne devons pas donc nous borner simplement à écouter et à oublier toutes ces notions, tous ces secrets que le Seigneur nous donne. Nous devons les noter et veiller à les appliquer de façon réelle. Alléluia. Alors de façon pratique, tu vas prendre un carnet avec toi et tu vas écrire « Je suis une femme de valeur » et en dessous, tu vas énumérer tous les points pour lesquels tu es une femme de valeur. Alléluia. Tu vas aussi prendre une autre page sur laquelle tu vas marquer les points des promesses que le Seigneur t'a faites. Tu vas d'abord marquer que tu es reconnecté à ton Dieu. Tu vas vérifier que effectivement il n'y a pas de fossé entre Dieu et toi, parce que la Bible dit que l'oreille du Seigneur n'est pas trop courte pour entendre nos prières, c'est-à-dire que sa main n'est pas trop courte pour nous bénir, mais il y a une chose qui va empêcher Dieu d'agir dans nos vies, c'est le fossé qui pourrait exister entre lui et nous. Alléluia. Tu vas donc vérifier que ce fossé n'existe pas. Et si tu vois qu'il y a une situation qui t'éloigne du Seigneur, tu vas prendre le temps de la régler dans la prière, de confesser ces choses, de demander pardon au Seigneur. Peut-être c'est un péché, peut-être une situation de désobéissance. En tout cas, peu importe la situation qui te sépare de ton Dieu en ce moment, règle-la au plus tôt. Alléluia. Ensuite, tu vas énumérer toutes les promesses du Seigneur pour toi, des promesses générales qui se trouvent dans la parole de Dieu, mais aussi peut-être des paroles spécifiques que le Seigneur t'a dites. Tu vas les noter et en fonction de ces promesses-là, tu vas prier. Tu vas aussi prendre le temps de décider d'être une personne pleine de joie. Et toujours dans ton carnet, tu vas prendre le temps de noter des sujets pour lesquels tu vas être dans la joie. Même s'il n'y a rien pour lequel tu dois être dans la joie, chaque jour dis « Je suis dans la joie ». Tu peux même décider chaque fois sur ton agenda d'écrire « Je suis une personne joyeuse, je suis dans la joie » et de veiller effectivement à être dans la joie. Tu peux essayer cet exercice-là que moi j'ai essayé pendant un moment. Ça a été de raconter une histoire drôle au moins à une personne, en tout cas au moins une histoire drôle dans la journée. Tu vois, créer une situation qui va t'emmener à rire, qui va t'emmener à sourire de ton plus beau sourire et à montrer ainsi au Seigneur que tu es une personne remplie de joie. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Nous venons de passer un merveilleux moment dans la présence du Seigneur et nous n'allons pas partir de ce temps de prière sans prendre le temps de prier pour notre nation, alléluia, de prier pour notre nation. Nous savons la Côte d'Ivoire et si tu es dans un autre pays, tu vas aussi prier pour la nation dans laquelle tu es. Nous allons prier ici en Côte d'Ivoire, particulièrement pour les autorités, alléluia, parce que nous avons une situation électorale qui s'approche. Nous allons mettre cela en prière. Toi aussi, quel que soit le pays où tu vas prier pour les autorités, parce que la Bible dit que notre bonheur dépend de la situation de notre pays et donc des bonnes décisions de nos autorités. Si tu veux donner un sens à ta vie, il faut que le pays dans lequel tu te trouves fonctionne. Nous allons donc élever ensemble la voix et prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour toutes les nations dans lesquelles nous sommes, prier pour nos autorités. Alléluia. Ô Père, nous voulons te dire merci pour la Côte d'Ivoire, ce pays dans lequel tu m'as mise, ô Dieu vivant, mais également pour tous les autres pays où tes filles sont à travers le monde entier, Papa. Nous prions que la paix
paix soit dans nos nations. Alléluia. Nous voulons prier pour toutes les nations qui approchent une période électorale. Oh Dieu, Seigneur, que ces pays, ces nations soient entre tes mains. Que la Côte d'Ivoire soit entre tes mains, oh Dieu vivant. Nous voulons repousser loin de cette nation tout esprit guerrier, tout esprit de guerre, tout esprit de confusion, tout esprit de désordre. Nous les renvoyons loin de cette nation dans le nom de Jésus. Nous chassons tout esprit qui n'est pas de toi et nous proclamons la paix sur la Côte d'Ivoire. Et si les élections doivent avoir lieu, Père, nous proclamons que ce sont des élections apaisées. Oh Dieu de gloire, nous voulons également remettre nos autorités entre tes mains. Oh Papa, le chef de l'État, les ministres, les préfets, les députés, Papa, tous ceux qui sont élevés en autorité dans cette nation. Nous voulons invoquer ta grâce sur leur vie, oh Dieu vivant. Accorde-leur ta protection divine. Accorde-leur la sagesse dans leurs décisions. Père, oui, nous voulons que tu les gardes dans le creux de tes mains et que la paix de Dieu soit dans toutes les nations, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Dis Amen avec moi. Amen. Nous venons de finir notre rencontre de ce soir. Je veux t'encourager, si tu as été béni par ce temps de prière, tu as été béni par cette exhortation, n'hésite pas à partager cette vidéo parce qu'elle va rester en ligne. Alléluia. Partage-la à une amie, à une sœur en Christ, à une collègue de bureau pour qu'elle puisse être aussi être bénie et commencer à redonner du sens à sa vie. Alléluia. Et si tu as aimé ce moment de prière, tu vas acclamer le Seigneur en envoyant un message d'acclamation, mais tu vas aussi liker cette vidéo qui va rester en ligne. Alléluia. Tu vas la liker pour encourager toutes les équipes qui continuent à travailler pour que l'église du Seigneur reste debout. Amen. Nous allons donc nous dire au revoir. Si tu as un sujet de prière, tu as un témoignage, tu peux nous l'envoyer à l'adresse email qui s'affiche sur ton écran. Ou tu peux appeler au numéro qui s'affiche. C'est également un numéro WhatsApp. Donc, tu peux envoyer également un message WhatsApp. Nous sommes ensemble. Que Dieu nous bénisse. La gloire de Dieu est en partage. Dieu donne un sens à ta vie parce que tu es sa fille, tu es sa princesse. À vendredi prochain pour continuer dans notre merveilleux thème. Que Dieu te bénisse abondamment. Livre-toi. Fais de moi ce que tu veux, transforme ma vie, afin qu'elle te soit utile.